Et donc, salut à tous, c'est Babacha, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Halo Combat Evolved. Allez, c'est reparti. Alors, je pense avoir réglé les problèmes de son. Normalement, on va bien m'entendre. On peut regarder le magnifique spectacle. Hein. J'ai perdu un peu de bouclier, moi. Bon, alors, nouvel épisode de Halo, on s'est arrêté dans la petite salle. Donc on regarde les Guardians, les élites en train de se faire massacrer par les sentinelles. Posé derrière notre cadre totalement tranquille. Oh. Ouais, c'est bien ça. C'est bien ce que je me disais. Donc on les regarde en train de se faire massacrer. Hein? Je crois que c'est bon là. Sûrement ouais. On va bien voir. Hop, voilà. Juste une seconde. Hop. Hop. Je fais autre chose en attendant sur l'autre PC. Alors. Comme je vous l'avais dit au précédent épisode, bon bon je... la première fois que je l'ai fait, j'en ai chié. Il fait quoi lui ? J'ai juste buté une sentinelle. Oh putain. Des sentinelles. Les pauvres Conan sont... Putain. Alors, les pauvres Conan sont en train de se faire massacrer. Hein. Les sentinelles sont en train de... d'abattre les floutes. Hein. Oh, on est bien. Ouais. On peut le regarder comme ça. De vainqueur les floutes. Quoi? Ok, donc le feu me fait mal. Oh, oh, tu fais quoi? Ça, c'est un homme. Ça, c'est un être humain contaminé par un foot. Les autres, c'est des... Oh, merde. Voilà, il m'a fait peur. Il m'a surpris. On va aller vers là où il y a des... Alors là où il y a des Covenants normalement, ou alors ils sont tous décédés. Oula, tu fais quoi? Tu fais ça, c'est un Covenant, par exemple. Ah, ça fait mal, par contre. Il y en a encore. Ah, voilà. Voilà, donc quand je disais que j'avais galéré, disons que j'avais passé beaucoup de temps. Oh putain. Voilà, ça a l'air de passer. Ça a l'air d'aller. Voilà. Alors là, ça par contre, ça a l'air de passer. Donc ouais. Et autre chose sur le PC en même temps. C'est pas génial. Voilà. Donc ouais, ça arrive en masse, hein, et pourtant on va devoir y aller là-dedans. Là où ils... Par là où ils viennent. On va devoir y aller. Non, ça s'est fermé. Qu'est-ce que j'ai dit? On va pas aller prendre. Avoir ça. Alors, pour ceux qui se souviennent, ça c'est le vaisseau. Je vais rappeler un peu le contexte. Ça c'est le vaisseau des débuts. Non, donc voilà. Ça c'est le vaisseau du début. Nous sommes sur le Pillar of Autumn. Alors, si voilà, si je ne me trompe pas, ici on va devoir y aller. Regardez-moi cet armement. Regardez-moi cet armement de... C'est un Covenant. On a un autre. Non, c'est trop. Il y a des flux
êtes invisible, faut faire attention. Donc ça c'est la première fois qu'on vous vient. Après c'est vraiment ça, par exemple je prends. C'est que des munitions. Parfois ça bug, parfois on peut y rentrer. C'est que de l'armement. Vous aurez pu remarquer qu'il y a ça. Donc souvenez-vous, je ne vais pas utiliser de lance-roquettes pour pouvoir détruire les générateurs. J'ai plutôt utilisé des grenades. Donc ça c'est la salle d'armement. Oula, il y a un foot là-bas. C'est la salle d'armement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la salle des moteurs, qui se situe pas trop loin non plus. Voilà, chargement court terminé. Allumez l'amorce et dégagez. Mes amis, c'est le dernier épisode d'Halo. Salle des machines localisée. Donc nous sommes dans la salle. Alerte. Le moniteur a désactivé l'accès aux commandes. Impossible de relancer le compte à rebours. On n'a plus qu'à faire exploser les réacteurs à fusion du vaisseau. Cela devrait suffire à détruire Halo. Ne vous inquiétez pas, j'ai accès à tous les plans et à toutes les procédures des réacteurs. Je vais vous guider. On doit d'abord s'occuper des raccords d'échappement. Cela ouvrira un puits menant au noyau de fusion principale. Alors, dans cette salle, on va y rester un petit... Les blocages systèmes seront supprimés dans 16 cycles. On va y rester un petit bout de temps parce que nous avons les flèches à accomplir, vous voyez. C'est des ordinateurs qu'on doit désactiver pour pouvoir avoir accès. En fait, on désactive l'ordinateur là et il y a... Pourquoi continuez-vous à nous résister, Ricana? Ta gueule, toi tu vas crever. Et il y a un mécanisme qui va s'ouvrir, par exemple là je vais désactiver cet ordinateur. Ce jump est chaud aussi. C'est faisable. Hein. Attends. Oh putain. Il y a des trucs qui nous font chier aussi. Eux, normalement, ils sont censés être occupés à détruire les flûtes. Il y en a partout les flûtes. Ici. C'est vraiment l'invasion. Oh, ne tombe pas. C'est un... Je pense que c'est un niveau de jump. Monter là. Yes, je suis arrivé. Donc on désactive l'ordinateur ici. Bien, première étape terminée. Bon, nous devrions pouvoir tirer sur l'un des quatre réacteurs à fusion du vaisseau. Et donc, faisons exploser le catalyseur pour brouiller le champ magnétique entourant les cellules de fusion. Voilà, donc utilisez un explosif. De préférence, une grenade ou une roquette. Si vous manquez d'explosif, il y a une armurerie près de l'entrée de la salle des machines. Voilà. Donc l'armurerie auquel on est allé. Est-ce qu'elle est rentrée? Oui. Analyse. Déstabilisation du réacteur à fusion numéro 1. Utilisez des explosifs contre les trois autres réacteurs. Cela devrait permettre de déclencher l'explosion des moteurs. Oh, quelle tristesse. Séquence de réparation immédiate. Vous avez vu un peu comment c'est, donc on va y retourner, on prend des munitions. On va y retourner, on doit faire ça pour 4 moniteurs, donc ça c'était pour vous montrer. Donc en fait, je voulais vous montrer les bouches qui allaient s'ouvrir pour là où on doit lancer les... Oh attends, les démons aussi. Les joueurs, ils ont... J'ai de la vie au bord. Vous avez besoin d'un médecin? Bon, taille-toi. Il tombe. Non. Mais putain. Oh putain, non, non. Oh là, il me bouffe de l'intérieur. Faut que je prenne ça, moi. Sinon, je vais crever. Pas beau. Je galère un peu parce que c'est on est à la fin là.
Reclaimer, il faut continuer. On va faire sauter à l'eau, mec. Non. Oh voilà, ça y est, c'est passé. Bon. Première mort. Oh, je retourne là. J'en avais désactivé un. On y retourne. On y retourne. Allez. Salle des machines localisée. Alerte. Le moniteur a désactivé l'accès aux commandes. Impossible de relancer le compte à rebours. On n'a plus qu'à faire exploser les réacteurs à fusion du vaisseau. Cela devrait suffire à détruire Halo. Ne vous inquiétez pas, j'ai accès à tous les plans et à toutes les procédures des réacteurs. Je vais vous guider. On doit d'abord s'occuper des raccords d'échappement. Cela ouvrira un puits menant au noyau de fusion principal. Voilà, donc on est de retour. Ouais, donc c'est des bornes de contrôle, j'appelais ça des ordinateurs. Reclaimer, vous n'êtes pas accepté. Mais... vous devez rendre l'intelligence artificielle. Mais ta gueule, toi, je vais te buter. Oh. Ouais, vous l'avez compris, je suis plus du tout pote avec le monitor. El monitor. Bon, je suis pas tombé. Votre comportement n'est pas conforme aux protocoles établis. Allez. Voilà, donc là j'y suis arrivé. Voilà. Bien, première étape terminée. Bon, nous devrions pouvoir tirer sur l'un des quatre réacteurs à fusion du vaisseau. Faisons exploser le catalyseur pour brouiller le champ magnétique entourant les cellules de fusion. Utilisez un explosif, de préférence une grenade ou une roquette. Si vous manquez d'explosif, il y a une armurerie près de l'entrée de la salle des machines. Cette intelligence artificielle possède bien trop de données. Yes. Analyse. Déstabilisation du réacteur à fusion numéro 1. Utilisez des explosifs contre les trois autres réacteurs. Non, cela devrait permettre de déclencher l'explosion des moteurs. Je veux passer. Ne craignez-vous pas que ce soit dangereux? Un génie. Reclaimer. Donc je suis fait. Allez, ça passe, ça casse. Vous avez besoin d'une révision et de réparation. Oh, pas besoin de ça. Révise ton intelligence, révise ton programme, mec. On peut passer, hein, c'est obligé. Je sais pas si c'est un bug graphique, mais on voit pas. Mais non. On voit pas les missiles. Mais si la place marche. C'est un niveau incohérent. Dur, mais faisable. J'ai déjà fait. J'ai déjà fait. Hein. Il est faisable. Ouais, je peux vous garantir. Par contre, ça c'est pas cool. Oula. Par contre, c'est bug, on voit pas les missiles. Des trucs de sentinelle ici, hein, parce que les trucs... Les flottes continuent de se multiplier, Reclaimer. Oui, attends. Tu permets que je détruise les générateurs. Allez. Oui, c'est bon.
va détruire celui-là. Mais non. Oh, ça va bien. Oh non, j'étais arrivé. Quelle tristesse. Bon, moi j'ai appris un truc. Oula, oula. Ah. Oh, le gros plan sur les fesses là, c'était magnifique. C'est une bonne idée. Oh, oh, dommage. Trop tard. Explose, bitch. Ma gueule. Pourquoi continuez-vous à ignorer votre tâche? Ignorer ma tâche? Ma tâche, c'est de buter. Toi la taupe. Ah. Oh. Quoi? Vous devez rendre l'intelligence artificielle pour nous permettre de nous remettre au travail. À la grenade. À l'ancienne, mes amis. À l'ancienne, mes amis. À l'ancienne. Loupé. Allez, putain. Oh là, donc nous avons un bénéfice supérieur. Système de sécurité inadapté. Oui, dedans. Bien profond. Nous sommes en guerre et donne un pomme de caca est une drogue. C'est parti. Les configurations matérielles et logicielles sont inférieures aux spécifications requises. Allez, on va détruire les deux derniers générateurs. Là, nous avons des vies de partout, des munitions de partout. Parfois, je ne sais pas comment on pourrait ne pas, comment on pourrait perdre cette mission. Quelle tristesse! Oh, tu m'étonnes. Quand tu vas crever, j'ai adoré ça. Le 3, c'est... Ça ne va pas? C'est moi qui... Bon, là, c'est bon, une personne. Hop là. Prête. Quoi? Quoi? Pourquoi? Pourquoi? Mais non. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Oh, quelle tristesse! Oh. J'ai envie de buter. Je peux pas les utiliser là, mais pour la police. Fais chier. Oh. Vous détruiriez cette installation, de même que ce fascinant enregistrement? Oui. En fait, je sais pas ce qu'il y a à perdre dans l'histoire. Voilà, donc là ça a marché. Putain.
Allez. Oh non. Abandonnez l'intelligence artificielle ou je vais devoir vous désactiver définitivement. Bah, désactive-moi, mec. Qu'est-ce que t'attends? Mais je suis con. Putain. Oh. On va aller à la salle d'armes. Ok, il faut continuer. Tant qu'il ne suffit pas, ça devrait aller. On va dans la salle d'armement. Ok, ça, ça s'est fermé, tranquille. J'aurai pas de soucis. Bonjour. J'aurais besoin de grenades. Non, il n'y a pas de grenades. Bon, bah les mecs. On a de la réserve. Allez, on va le faire sauter. Pour la gloire. Pour l'humanité. Par exemple, ça que je voulais pas prendre. Suite des protocoles de révision et de réparation. Veuillez attendre la mise à jour. Yes, ça marche. Mais quelle nouille! Mais quelle nouille! Continuez. Plus qu'un réacteur à fusion. Allez. Hop là, hop là, hop là, hop là. Oh, j'ai récupéré une grenade. Dernière grenade, ou ça. Je vais tenter la grenade. Ça ne va pas? Oh, j'ai deux grenades. Je vois deux essais. Et on se casse. Okay. Loupé. Non. Oh, trop bien. On se part. Ça va sauter. Les mecs, dites adieu à cette... Ça a marché. État critique du moteur. En fonction des dégâts, on devrait avoir 15 minutes pour quitter le vaisseau. Le temps presse. Il faut sortir et demander l'évacuation. Accès au plan. Il y a un ascenseur de service en haut de la salle des machines. Il mène à un couloir de service de la classe 7, longeant la structure dorsale du vaisseau. Vite! J'en ai l'ascenseur. Recategorisation des données pour traitement et stockage. Mes amis... Nous y sommes. Oh, des explosions dans tous les sens. Ça me rappelle quelque chose. Réclameur. Pas le temps de faire demi-tour. Nous devons faire vite. Mais bon, ça c'est fait. Troisième étage, il y a un ascenseur là-bas. Pourquoi continuez-vous à nous résister, Réclameur? Parce que cette installation va sauter, tu sais. Il faut qu'on se barre d'ici. Dites adieu à cet endroit, mes amis. Le moniteur aura perdu. Oh, dommage. Mmh.
Bonjour. Bon. L'ascenseur. What? Cortana à Echo 419. Répondez, Echo 419. Bien reçu, Cortana. Je vous reçois 5 sur 5. Les moteurs du Pillar of Autumn sont dans un état critique, Former. Demande d'évacuation immédiate. Oh. Rejoignez le lieu du crash et à mon signal, préparez-vous à nous récupérer à la jonction d'accès extérieur 4C. Affirmatif, Echo 419, je vais sur place. Echo 419 à Cortana. Attendez. Voilà. Ok, donc on s'est refait. On a eu un bug. Les amis, c'était un bug. Un réel bug. Genre le gros. Genre le gros bug de la mort. C'est bon. C'est bon. C'est à cause des Covenants, tout ça. Voilà, donc là c'est bon. Cortana à Echo 419. Répondez, Echo 419. Bien reçu, Cortana. Je vous reçois 5 sur 5. Les moteurs du Pillar of Autumn sont dans un état critique, Former. Demande d'évacuation immédiate. Rejoignez le lieu du crash et à mon signal, préparez-vous à nous récupérer à la jonction d'accès extérieur 4C. Affirmatif. Echo 419, je vais sur place. Echo 419 à Cortana. Ça barre là-dessous. Tout va bien ? Négatif, négatif. Le noyau de fusion du vaisseau subit un terrible déséquilibre. Les moteurs ont dû subir plus de dégâts qu'on croyait. Analyse. Plus que 6 minutes avant que la fusion ne provoque l'explosion. Demandons évacuation immédiate. Compte à rebours final lancé. À zéro, les moteurs exploseront. Avec l'explosion, la température atteindra 100 millions de degrés. Mieux vaut être ailleurs. Mes amis, nous avons 6 minutes. Pour partir de cet endroit maudit, dans 6 minutes il n'y aura plus de halo. Voilà, donc c'est bien ce que je me disais. Quand on va tout droit, on se prend des murs. Allez! C'est pas épique ça. Six minutes. Cinq minutes. Dans cinq minutes, les amis, il n'y aura plus de halo. Dans cinq minutes, ce sera la fin. Oula. C'est pas bon ça. C'est pas bon. Oh. Waouh. Plus rien de ce qu'on aura connu dans ce let's play, plus rien de ce qu'on, de tout ce qu'on aura visité n'existera. Le vaisseau, l'armée Covenant qu'on a affronté, les Flutes qu'on a découvert, qu'on a réveillé, les paysages de Halo avec ses mers, ses continents, ses montagnes, ses installations, ses bombes. Les vaisseaux Amiral Covenant. Oh. Là-bas, sauvez-vous. Attrapez-le. Les mecs. Salut. Cortana à Echo 419, demande d'évacuation immédiate. Vite. Affirmative, Cortana. Former en approche. On y est. Mes amis.
Attendez, arrêtez! C'est ici que Fohammer va nous récupérer. Maintenez votre position. Cortana à Echo 419, deux Banshees des Covenants en approche à 6 heures. Dégagez, je répète, dégagez! Je suis touché! Mayday, mayday! Propulseur arrière gravement touché! Echo 419. Elle est morte. Calcul d'une autre issue en cours. L'inventaire du vaisseau indique qu'il reste un chasseur Longsword à la plateforme de lancement 7. En partant tout de suite, on peut réussir. Les amis, Fohammer, Echo 419 est morte. Nous qui pensions avoir un espoir de dégager, de partir de cet endroit maudit, en 3 minutes. Cet espoir s'est éteint en l'espace de quelques secondes et nous avons notre dernière chance. Une toute dernière chance. Ce sera la dernière chance. Vraiment. Moi, que je vous dise ma réelle réaction. Chef, au-dessus, il y a une ouverture dans la tranchée. À vitesse maxi, on devrait pouvoir faire quelque chose. Hein? Oh, j'adore ce saut. On croirait qu'on a perdu, mais en fait, non. Les amis, nous y sommes. Pour Marcel. Le vaisseau, allez, il faut embarquer immédiatement. Il y a des Covenants, des Flutes. Ils sont tous morts. Jouer serré. C'est parti. Désactivez-les, on en aura besoin plus tard. Vous voulez regarder ? Quelqu'un d'autre s'en est sorti ? Scan. Non, que de la poussière et des échos. Il n'y a plus que nous. On a fait ce qu'il fallait. Pour la Terre. Toute une armada de Covenants, éliminée. Et les Floods, on n'avait pas le choix. Allô ? C'est fini. Non. Je crois que ce n'est que le début.
Et ben voilà. L'épisode final. Bah mes amis, écoutez, c'est la fin de ce let's play. Il aura duré. Hein. Pour tout vous dire, il aura duré très très longtemps. Alors sachez que j'ai adoré ce let's play. Vraiment. Je l'ai savouré à tel point. Ah, je peux pas vous dire ça, mais je l'ai adoré. Vraiment. Bah, pour tout vous dire, c'est bizarre la fin. Enfin, je veux dire, on termine tout seul, mais pourtant, mais comment on va faire pour rentrer? Je veux dire, on a un petit vaisseau. On a éliminé une armada de Covenants. Sachez que ils sont censés avoir environ 10 000 ans d'avancée technologique sur nous. On les a éliminés, on les a explosés. Les Floots. Une race des êtres vivants. Très bizarre. Je veux dire, ils arrivent à muter dans d'autres personnages, dans d'autres personnes vivantes. La seule façon de les tuer, c'est de les affamer. Ils sont assez bizarres, je veux dire, le Monitor nous a bien manipulés. D'ailleurs, le Monitor, on ne le revoit plus. Ce Monitor. Sachez que je ne vais pas le montrer parce que sinon la vidéo durera trop longtemps. Mais à la fin de ce générique, on voit le Monitor voler dans l'espace. La cinématique, elle dure quoi? Elle dure 2 secondes. On voit le Monitor s'enfuir dans l'espace. Juste pour voir penser ça. Car faut prendre, c'était pour dire qu'il a survécu à l'explosion. Même si c'est quand même chaud de s'en échapper quand même. Et voilà. Ah, peut-être que vous allez l'avoir. Cette cinématique. Parce que quand même, cet anneau, il a été... La voilà. Ça, c'est le Monitor. Cet anneau, il a été construit par des dieux. Mais il n'y a pas Dieu, tout le monde sait ça. Et ben, mais écoutez les amis, c'est la fin de ce let's play. Rendez-vous à la prochaine pour un nouveau let's play avec Baba Sham. Et ben, à la prochaine. Allez, salut.